Donc la première étape, on observe la roche à l'œil nu. On ne peut pas voir les minéraux, donc elle a une structure microlithique. Ensuite, on observe la lamelle. On peut voir qu'à la lumière, on observe des reflets bleus. C'est donc un métagrabbro aglaucophane. On met ensuite la lamelle au microscope pour observer les minéraux en lumière polarisée non analysée. On peut voir ici une auréole de glaucophane et ici du pyroxène. Donc ce sont les deux minéraux principaux du métagrabbro aglaucophane. On peut voir que le pyroxène subit un métamorphisme avec l'auréole de glaucophane. Ensuite, on observe la lamelle en lumière polarisée analysée. On obtient ensuite une autre acquisition numérique où on peut voir le pyroxène avec des stries parallèles et une auréole de glaucophane colorée.